un kick pour impressionner l'adversaire. Les Lausannois se sont alignés au complet, remplaçant compris, sur la pelouse, alors que Zurich n'a aligné que ses 11 titulaires. Il y avait tous les remplaçants lausannois, c'est-à-dire Favre et Varquez, les réservistes, donc les hommes qui s'ajoutent à cette formation, qui est la formation standard du Lausanne Sport, celle qui a fait un très bon deuxième tour. Il y avait Guillaume également avec le 12, il y avait Dizran avec le 13, il y avait Ritz avec le 15, Crescenzi le 14 et Charvot le 16. Il y a de jeunes joueurs au Lausanne Sport et vous avez peut-être remarqué en passant qu'un des deux gardiens remplaçants, Marquez, qui a 18 ans, à peine 18 ans, était très très ému alors que le masque de Gabay Chapuisat, il joue ici une carte très importante puisque lui, comme Éric Gourgenère, n'a au fond dans sa carrière, si l'on accepte les sélections en équipe nationale, rien gagné, pas de titre, pas de finale de coupe. Face à face, Parietti et Grob, je rappelle, 35 ans samedi passé, cinquième finale pour lui, Parietti, première finale, comme bon nombre de Lausannois, de joueurs du Lausanne Sport, l'attendent depuis longtemps, comme Burgener attend depuis longtemps, depuis qu'il joue au Lausanne Sport, c'est-à-dire depuis 11 ans, en tout cas. Comme Parietti, qui est un ancien qui attend depuis longtemps. D'autres attendent depuis moins longtemps, puisqu'ils sont jeunes. C'est les Ravello, c'est Rive, c'est Bamert. Krasinski a joué une finale, mais avec Nancy, en France. Tachet n'a pas joué de finale non plus. Moron non plus. Et Koch, le Hollandais, non plus. Et ce Lausanne Sport, qui joue tout de bleu vêtu. Et nous le disions, le challenger idéal, parce qu'a priori, il n'a aucune raison d'être contracté. Il a déjà un billet pour la Coupe des Coupes. Il a pris l'habitude et on se défait aussi peu facilement des bonnes habitudes que des mauvaises. Il a pris l'habitude d'attaquer au deuxième tour. Il a fait un festival à Zurich contre Grasshopp pour se qualifier pour la finale en deuxième mi-temps. Il a fait un festival ici même contre Young Boys en championnat gagnant 4-2. Alors Lausanne, avec Gourgenère dans les buts, pourrait inquiéter Grob, que voici. Mais Grob, cette saison aussi, a été assez extraordinaire. C'est vraiment un cas. Il est depuis, si je ne fais erreur, 14 ans titulaire au FC Zurich avec de très très rares absences. Et le FC Zurich, sur sa valeur, il faut le répéter, la meilleure équipe du pays grâce à Daniel Jean-Dupeu. Mais rien n'est dit dans cette finale, à notre avis. Rien n'est dit du tout. Schönenberg. Jakovic. Schönenberg. Il n'est point besoin, je pense, de rappeler la formation des équipes. Elles sont toutes les deux, je le rappelle, très proches des formations type, si l'on accepte l'absence de Seiler remplacé par Petr Hans, et celle de Bourg remplacée par le jeune Schönenberg, très grand, très blond, 1m90, le numéro 2 qui contrôle Koch. Lourde tâche pour un débutant qui jouait en 3e ligue à Vidikon l'an passé. Alors Ludi. Zurich prend possession du camp de Lausanne Sport. Sur le centre, offside. Offside de Petr Hans. Petr Hans, l'avancement. Petr Hans, qui n'a peut-être pas la valeur de Seiler, qui est moins classique que Seiler, mais qui est imprévisible, qui peut être dangereux pour l'arrière-défense lausannoise. Parietti. Koch. Parietti. Entrée dure, vigoureuse de Zappa, évidemment. Dans Rock, Zappa, c'est un véritable monument. Il fait mal. Koch. Koch à mi-terrain. Riff. Alors attention, il peut jouer un rôle très intéressant, Riff. Riff. Riff pour Koch. Interception de Zappa. Zappa, longue balle. La tête de Bamert. En principe, ça devrait être un match sans combine, sans marquage individuel forcené, sans truc, sans combine. Les deux entraîneurs, Ertig et Jean Dupeux, ont du football une conception propre. Faute. Beaucoup de réactions de la part du public, ce qui indique en tout cas que les Vaudois sont très nombreux ici. Quant à nous, nous estimons
à 40 000, même peut-être davantage, l'affluence aujourd'hui au Wangdorf. 40 000 en tout cas. Riff. L'air à vélo. Razinski est complètement démarqué sur la droite. Et les permutations troublent un peu là. Le grand Schönenberg, il est resté dans sa zone. Le grand Schönenberg sur la gauche de la défense et non pas sur la droite où il était attendu. Coup franc pour Lausanne. C'est Castella qui s'approche. Razinski, Castella qui va prendre sa chance là. La tête de Schönenberg. Peter Hans. Jakovic, Peter Hans ou Schönenberg. Schönenberg qui sert alors beaucoup trop puissamment. Il a manqué de nuances là dans sa passe, dans son ouverture, le jeune Schönenberg. C'est en quelque sorte Lausanne-Zurich, ça devrait être. Enfin, sur le papier, c'est la finale idéale. D'abord parce qu'il y a un club roman, puis il y a un club sous sa main amie. Puis ce sont les clubs qui se sont montrés sous leur jour le plus favorable au printemps. Chapuisa. Chapuisa. Intervention Jerkovic. Elzener. 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 Qui est cueilli par Razinski. Intervention après 4 minutes de jeu de M. Baumann. Faute alors assez grossière de Razinski sur Elzener. À l'origine de l'action, une montée de Chapuisa. Avertissement à Razinski. Monsieur Baumann montre immédiatement la couleur, jaune en l'occurrence, et décide que cette faute de Razinski justifie un avertissement. On revoit la faute Burgener. Alors averti Razinski à peu près à la cinquième minute. Les Lausannois qui étaient 7 à redouter le troisième avertissement dans le match de jeudi contre Bâle, où ils ont fait match nul 2-2, ont passé entre les gouttes. Et aujourd'hui, évidemment, quand on est averti, ce qu'on risque à la deuxième ou faute grossière, c'est l'expulsion. Ça serait grave. C'est bien joué là, mais il n'y avait personne à la réception de ce centre de Moron. Rivkok, ça ne passe pas. Peter Hans. Chapuisa. Deuxième attaque de Chapuisa. Schönenberg. Il y a Peter Hans qui est resté au sol là-bas à mi-terrain. Le voici. C'est l'avant-centre de FC Zurich qui est au sol. Riff. Quand ça démarre de manière assez passionné dans les tribunes et sèche sur le terrain. Peter Hans a été sérieusement touché. Alors Zurich serait singulièrement handicapé si Peter Hans ne pouvait pas poursuivre le match parce qu'il n'aurait véritablement alors plus d'avant-centre. Mais Peter Hans s'est relevé. Zappa. C'est bien joué, Zappa. Très bonne balle profonde pour Moser. Par-dessus Castella. Peter Hans qu'on retrouve le long de la touche pour se faire soigner. Je rappelle que Zurich est invaincu depuis le 14 mars où il a perdu à Bâle. Schönenberg. Mise en touche par Razinski. Trop pour Parietti. Et Grobe. 6 minutes de jeu, 0-0. On attend avec impatience l'annonce de l'affluence qui nous intéresse beaucoup. Les demi-finales, en tout cas celle de Lausanne, a été suivie par un très nombreux public. 17 000 spectateurs. Elzener
Sur la gauche, Peter Hans, Elzader toujours, qui a répugné de jouer avec Peter Hans, Iselin. Attention, le bonhomme est assez dangereux. Iselin. Castella. Bien, bien libéré son camp. Koch. Koch va-t-il prendre de vitesse Ludy? Koch arrive un peu tard. Robé sorti. Ah, il est presque plus rapide que Ludy, ce qui n'est pas un mince compliment. Alors, c'était à la 7e minute, le démarrage de Koch contrôlé. On revoit. Et il est parti avec un temps de retard, un demi-mètre, et mais Ludy a bien joué. Mais même jouant bien, il a remis la balle sur la chaussure gauche de Koch et il a fallu la sortie rapide de Grobe, dont le coup de pied du gauche n'est pas dénué de talent. Il a joué même 20 minutes dans un match récemment, en avant. Il s'est fait plaisir et il a fait plaisir à tout le public du Letzigrund. Tachet. Schönenberg, la tête de l'Engravelo. Koch. Koch contre l'aérien. Et dégagement par Landol. Bamert. Ah, Lausanne appuie. Et après une incursion zurichoise. Oui, c'est vrai, gros boitille. C'est une remarque que nous fait le réalisateur Jean Gâteau. Il a raison de nous montrer que Grobs, dans cette sortie, non pas hasardeuse, mais très très décidée et surtout décisive, parce que Koch venait seul, s'est peut-être légèrement blessé. Mais alors, ça nous étonnerait que Grobs fasse grand cas de cette blessure. Il va tenir son poste jusqu'au bout, on peut en être quasiment certain. Il faudrait vraiment qu'il aille très très mal pour qu'il renonce à jouer sa 5e finale. Schönenberg, Peter Hans. Ah, c'est pas mal ce qu'il a fait. En tout cas, assez spectaculaire, contraignant Eric Dorgener à mettre la balle en corner. Alors, après cette pression lausannoise et puis cette occasion pour Koch, corner pour Zurich. 10e minute, dans la 10e minute de jeu. Et attention, Elzener, il y a Zappa. Au premier poteau, il y a Moser, je crois, Peter Hans. Et dans le prolongement, Zwicker. Elzener. Alors là, ce qu'il rate. Alors, c'était pourtant une bonne balle pour lui, pour Peter Hans. C'était vraiment une bonne balle pour Peter Hans, ça. Le numéro 9 des Zurichois. On revoit, regardez, la balle d'Elzener est parfaite. Elle passe tout le monde. Elle trouve Peter Hans. Elle passe par-dessus Bamert, apparemment. Et Peter Hans, qui n'est pas gêné, peut frapper, mais frappe dehors. Koch. Il y a beaucoup de détermination dans le jeu de Zappa. Chapuisat. Bamert. Très très longue pour Castella. Moser. Qui laisse sortir. Lausanne très agressif dans le sens offensif du mot. En ce début de 56e finale de la Coupe de Suisse. Landolt. Koch. Et puis Lausanne a encore des atouts dans son jeu parce que suivant les circonstances, il peut faire entrer d'Iseran son joker qui fit valoir son talent, sa vitesse, son efficacité tout au long du deuxième tour dans ce rôle de joueur qui vient, qui entre à 20-30 minutes, voire plus tôt dans le match, 20-30 minutes de la fin. Voir Guillaume, qui est un homme qui sait donner la dernière passe, et au Lausanne Sport souvent. C'est peut-être une des restrictions qu'on apportera au jugement qu'on peut faire sur le Lausanne Sport deuxième tour. Une certaine difficulté à donner une très bonne dernière passe aux attaquants de pointe. Parietti. Riff.
Moron s'est porté sur l'aile gauche pour soutenir Riff. C'est bien joué. Ça, c'est très, très, très bien joué. Riff au centre. Et Zappa, alors que la défense zurichoise paraissait non pas figée, mais tout de même inquiété par ce centre de Riff. Jean Dupeux sur son banc. En tout cas, les deux entraîneurs, soit Daniel Jean Dupeux, Charlie Hertig et le directeur technique Dur, il y a également un directeur technique, c'est Vogel à Zurich, méritent avec leurs équipes d'être présents au Wangdorf pour cette finale de la Coupe de Suisse. Car ce qu'ils ont fait cette saison méritait cette consécration. Des discussions là-bas avec l'immense Zappa qui va faire la remise en... Ah oui, bien, on est un peu gêné par les bouteilles ou enfin des objets qui ont été lancés sur la gauche de la cage d'Éric Burgener. Attention à la remise en touche de Zappa. La tête de Leravello, celle de Razinski. Encore Zappa. Et Charlie Hertig sur son banc avec Richard Dürr qui encadre le président de Lausanne Sport, Georges Souris. Quatorze minutes de jeu, toujours 0-0, une sorte de temps mort maintenant depuis la 13e minute avec des remises en touche sur le côté opposé. Alors, Parietti, le ballon est récupéré par les Lausannois. C'est bien joué, remise immédiate de Leravello, un peu trop profonde ça passe. Sur une action de Tachet, le numéro 11. Jakovic. Moser. Ludi face à Luis Castella. Ludi attend que démarre sur la droite. Elzener, mais c'est complètement raté des Zurichois. Il est clair que dans un match, voici Ludi dans l'image avec Moser, encadrant Castella. Il est clair que le rôle de Jerkovic peut être très important. Lausanne n'a pas de Jerkovic dans ses rangs. Mais d'autre part, on a constaté cette saison et même précédemment combien parfois Jerkovic était absent de certains matchs. Et si Jerkovic peut gagner un match à lui tout seul, il peut aussi être très discret dans son comportement. Koch a tenté le petit pont aux dépens de Zwicker qui a littéralement été assommé par le dégagement de Razinski. Koch. Leravello. Bamer. Parietti, Chapuisat dans l'axe du terrain. Bamer le laisse aller. Chapuisat remise Leravello. La tête d'Islin. Jerkovic, Zappa. Mais en tout cas, le milieu de terrain zurichois, constitué par Jerkovic, Zappa et Moser, est à l'œuvre, a beaucoup de difficultés face à un milieu de terrain beaucoup moins prestigieux sur le papier, celui de Lausanne Sport. Le grand Schoenenberg n'a pas pu prendre la passe de Landolt. Jerkovic. Alors, Elzener sur la gauche. Oui, c'est bien joué, Jerkovic. Il y a eu un raté. Elzener, ça peut être dangereux. Elzener, crochet trop long. Crochet trop long de Elzener face à Razinski. Et toujours 0-0.
Paglietti. Leravelo, Zappa va le protéger par Elzener, Zappa, Peter Hans. Oui, il y a des ce qu'on appelle des entrées, je ne dirais pas mortelles, mais assez vigoureuses de part et d'autre, il faut bien le dire. Assez coup franc pour Zurich, Elzener. Attention à Moser de l'autre côté, Bürgener. Et la dernière fois que Lausanne Sport a gagné la Coupe, c'était en 64. Et curieusement, c'était contre le champion suisse sortant, en l'occurrence, le FC La Chaux-de-Fonds, où jouait encore Kiki Antenen. C'est bien joué de Tachet. Mais regroupement défensif des Zurichois, Tachet, Castella Tachet, qui a été freiné régulièrement, oui, par Iseline, oui. Et monsieur Baumann est très, très, très attentif, très sérieux dans ce début de match. Il a quelques raisons de l'être, car il y a volonté offensive de part et d'autre, mais en tout cas, contrairement à ce qu'on certains auraient pu croire, puisque chacune des deux équipes a déjà obtenu quelque chose cette saison, il y a tout de même de l'engagement et on est là pour gagner, tant Lausanne que Zurich. Leravelo a failli pouvoir toucher la balle, mais c'est Peter Hans qui a concédé le corner. Grob, il est assez curieusement vêtu aujourd'hui. Koch. Oh là là. Il a tiré en force. On aimerait bien, on se réjouit de revoir le corner adressé par Koch très violemment pour la tête de Moron. On revoit. Oui, il a tiré sèchement. Et la balle a touché, vous le constatez par cette image, bel et bien touché sur la transversale de la cage de Grob. Ludi. Donc pour Koch, pour le moment, ceci et puis la percée solitaire de tout à l'heure. Chapuisat. Parce qu'il est clair que pour gagner, pour que Lausanne gagne cette finale, il faut que les joueurs jouent à peu près à 100% et que surtout les grands hommes de Lausanne Sport, eux aussi, soient à la hauteur de leur réputation. On fait allusion à Bürgener, à Koch, à Chapuisat, entre autres. Schönenberg. Peter Hans. C'est Radzinski qui va faire la touche. Tachet qui a pu garder le ballon et le donner à Leravelo. Bonne balle. Ah, c'est bien Castella en position. Tir de pied gauche. Très bon tir de pied gauche. De 20 mètres, très puissant le tir de Castella. Bonne action lausannoise après 21 minutes déjà. Ça va vite. On revoit. La position, on va voir exactement. Oui, il y a un bon mètre, il y a un mètre. Enfin, Castella avait été mis en position de tir par le duo Tachet-Leravelo. Zappa. Koch. Attention, Moron s'est porté sur le centre. Koch s'ouvre le chemin. Jerkovic. Chapuisat effleure la balle. C'est suffisant pour enrayer une offensive qui menaçait d'être dangereuse par Elzener. Zwicker. Lausanne fait très bonne impression dans ce début de match. Très très bonne impression et domine Zurich. Bonne balle pour Tachet. Tachet derrière les Schönenberg. Centre immédiat au ras du sol, mais pour qui? Pour Ludi. Moser. Riff. Attention, Moron était offside. Il est revenu. Leravelo Koch. Koch avec Landolt.
Coq talonne, c'est bien joué Taché. Ah, c'est dommage, deux fois les gauchers du Lausanne Sport, Taché et Castella ont eu de bons ballons dans l'espace de deux minutes, à peine d'une minute approximativement. Et là, Taché, qui est pourtant un tireur redoutable à cette distance, très précis souvent, a également, il n'aurait pas raté son tir, ce serait peut-être un petit peu trop sévère, mais enfin, on aurait pu s'attendre, il aurait presque pu aller un peu plus loin avec le ballon dans la circonstance. Bamert de la tête. Jerkovic. Elzener. Attention à Peter Hans qui guette à l'oreille des 16 mètres. Ce n'est certes pas un très très grand joueur, Peter Hans, mais alors il est toujours à l'affût. Assez imprévisible et surprenant dans son jeu de position. Surgit là où on ne l'attend pas. Il n'est pas très orthodoxe comme footballeur. D'où en danger. Il y a maintenant 22 minutes 30 de jeu. C'est ce qui veut dire qu'on est au quart du match. Chapuisat, bien joué. Zappa, attention à Jerkovic. Zappa a tenté le tir dans le dos de Parietti. Attention, Peter Hans. Centre. Un peu trop violent et un petit peu trop aérien. Alors que nous avions Zwicker dans l'image, voici Peter Hans. De gros, bah, Iselin. Zappa. Ludi. Ludi va pouvoir récupérer malgré Taché. Ludi servir Zwicker. Bürgener. Parietti. Leravelo. Leravelo Coq. Coq, il y a Leravelo qui est démarqué. Coq. Ah, c'est pas mal vu pour Castella. Castella, il arrive dans son dos. C'est dommage, Castella. Zwicker, attention, ils sont 3 contre 3. Elzener va au but, Razinski. Elzener passe. Qu'est-ce qu'il va centrer en retrait sur Chapuisat, très bien placé. Il avait pourtant deux hommes avec lui, Elzener. C'était Zwicker et Peter Hans. Même, il y avait même Jerkovic. Leravelo. Coq. 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 Zappa et Landolt. Non, il y a domination lausannoise, ça c'est absolument indiscutable. Il y a eu cette contre-attaque très dangereuse de Zurich sur une balle perdue par Castella. Jeu irrégulier, coup franc joué tout de suite par Coq pour Leravelo. Leravelo, Castella. Castella, Leravelo. Non, Ludi et Jerkovic. Mais tout Lausanne est dans le camp de Zurich. Était. Zurich a une peine terrible à développer son jeu. On est très loin, par exemple, de Zurich de la première mi-temps contre Sion. Très, très, très loin. Parietti. Ça, c'est le mérite du Lausanne Sport. Balle lausannoise, Parietti, Coq. Coq, Castella. Ah, la balle. C'est curieux. Il avait destiné sa passe à Moron qui était sur la droite. Landolt pour Zurich, puis Iselin qui, vous l'avez remarqué, n'a pas changé de côté dans ce match, mais qui joue habituellement arrière-gauche, qui joue à droite. Ça doit être pour faciliter la tâche du jeune Schoenenberg, 22 ans, inexpérimenté, l'année passée joueur de 3e ligue, qui fait en quelque sorte ses grands débuts aujourd'hui.
Bamert. Peter Vance a touché la balle de la main. L'arbitre dit que le jeu doit se poursuivre. Zurich ne donne l'impression de ne pas être très sûr de son affaire. Et les Zurichois s'engagent très vigoureusement. On pense surtout à Zappa. Moron. Les Ravello. Parietti, Castella et Riff. Ça peut être dangereux avec Riff. Élément en plus face à la défense. Moser est revenu. Alors, oula, beaucoup trop long. Beaucoup trop long le crochet. Riff qui vient de Renan. D'ailleurs, le Lausanne Sport a toujours eu dans ses rangs, dans les grandes circonstances, un joueur de Renan. Il y a eu Schneider, il y a eu Guiman, il y a eu, nous saurions citer la liste ici, mais enfin il y en a eu beaucoup. Zwicker, mauvais contrôle. Jusqu'à maintenant, Zwicker, pas grand chose. Alors, Castella. Peter Hans, pas beaucoup de possibilités, sinon avec Zwicker, mais ballon perdu par les Zurichois. Repris après une intervention, une ruade de Peter Hans. D'où le coup de sifflet de M. Jacob Baumann, qui nous paraît jusqu'à maintenant excellent. Les Ravello. Moron, attention face à Ludi, ça n'est pas facile. Là, il a manqué de... Enfin... C'est un remarquable technicien, mais parfois il lui manque, on le sait, hein, cette petite vivacité. Alors Ludi, il a aussi cette vivacité. Il l'a montré. Iselin n'a pas pu éviter la sortie de la balle. Et Zwicker qui change de... Les Zurichois sont décidément très portés sur l'élégance aujourd'hui. Ils sont venus au stade dans un nouveau costume de sortie. Le veston crème, pantalon noir. Et là, Zwicker a dû remettre sa chaussure. On peut pas. Enfin, on soigne le costume chez les Zurichois. On soigne l'aspect extérieur. Mais pour le football, c'est moins clinquant que d'habitude. Bon. Moron, bonne balle pour les Ravello. Alors Coq est légèrement décalé. Mais les Ravello tentent le tir, tentent le centre lointain au deuxième poteau pour Tachet. Il semble-t-il aurait dû jouer avec Coq qui était lui décalé. Un peu en retrait par rapport à la défense. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu pointilleux là, un des linesmen de M. Baumann. Estime que le corner n'a pas été fait où il devait l'être. Taché. Bamert. Et sauvetage par Iselin. Ah, c'était le 1-0 par Bamert là. Le Bamert qui est monté et qui a frappé comme il a frappé contre Grasshoppe. Mais là, un peu miraculeusement, c'est Iselin qui devait se trouver. Au revoir. Ah, belle occasion là, la demi-heure. Vous allez voir l'élévation de Bamert qui vient de très loin. Ouais, je sais même pas si c'est lui qui a touché la balle finalement. Et peut-être même Coq. On repart sur corner. Et c'est Bamert qui venait, puis finalement, il y avait deux hommes à la réception. Mais quand même, vraisemblablement, Bamert qui a pu frapper. Toujours est-il que sur la ligne, Iselin a écarté le danger. Ludi. Zwicker. Schönenberg, Zwicker. Ah, il a bien joué, Zwicker. Maintenant surtout parce qu'il a vu Elzener démarquer. Elzener. Alors. Pas fameux ce qu'il a fait. Zurich va pouvoir conserver la balle grâce à Zappa. 30, on a passé la demi-heure, 31 minutes de jeu. Elzener. La balle sort au poteau, c'était Iselin, pardon, au poteau de corner opposé de l'autre côté. Les Ravello.
Peter Hans. Peter Hans, il a touché. Eric a touché la balle. Burgener a sauvé Lausanne. 32e minute sur une action de Peter Hans qui a récupéré un ballon, qui s'est frayé, on le voit, on voit comment, un chemin, et qui de 16 mètres, alors exactement, a adressé ce tir que Burgener a mis en corner. Très belle parade de Burgener qui est gêné devant sa cage, vous allez le voir, on va retomber en direct par des rouleaux de papier. Corner Elsener. Attention à Landolt là. Bonne tête. Ça doit être de nouveau Peter Hans, une nouvelle fois Burgener, qui est décidément, c'est empoisonnant, c'est très désagréable. Ça n'est pas joli d'ailleurs, ce papier. On ne sait pas d'ailleurs ce que ça peut traduire. C'est la joie, c'est très désagréable ces papiers qu'on voit derrière les buts d'Elsener là. Oui, c'était Peter Hans et Burgener. Krasinski. Talonnade de Moroncoq. Non, retour de Landolt. Tachet. Riff sur la gauche. Tachet ignore Riff. Tente le tir. Ludi. Elsener. Bien joué d'Elsener pour Zappa. Zappa qui se heurte à Parietti. Castella. 3 contre. Avec Castella, 4 contre 4. 4 bleus contre 4 blancs. Moron, Coq. Coq, Moron, c'est bien, bien vu. Moron, c'est dommage. Je ne sais pas si c'était pour Coq, alors, qui était, devait tout de même venir à la hauteur de Moron. Et il y avait Tachet et l'air à vélo également. Tachet. Schönenberg. Schönenberg. 35 minutes de jeu, 10 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Toujours 0-0. Fait chaud, vous le constatez par les plans qui sont donnés du bord du terrain. Fait chaud et lourd sur le Wangdorf aujourd'hui. Faute de l'Eravello là sur Ludi. Ludi. Il a de l'espace là. Iselin, beaucoup d'espace. Iselin Zwicker. Attention à Jerkovic qui est bien placé. Moser, Peter Hans Daubu, retour à Zappa. Zappa frappe dans les talons de Bamert, je crois. Sur le compte. Devant Razinski, il y a Moron à droite. Pas très très bien joué ça. La passe à droite pour Moron qui avait plus de champ plutôt qu'adressé à Tachet qui était marqué par deux Zurichois. C'est dommage. Zwicker. Bonne interception Bamert. Parietti. Oh, c'est bien joué Tachet. Tachet tire croisé de 25 mètres. Il y a quelque chose d'inachevé dans le jeu lausannois qui se crée, se crée un certain nombre d'occasions par une, je dirais pas une pression, mais une domination par moments assez marquée. Mais alors, dans la finition, on reste sur sa fin. Là, il semble que Tachet aurait pu faire plus avec ce ballon. Iselin. Remarquez qu'Iselin, qu'il soit à droite ou à gauche, sur ses montées, il est assez dangereux. Nouveau corner pour Zurich à 8 minutes de la fin de la première mi-temps par Elsener. Alors, cette fois-ci, c'est Ludi. C'est à tour de rôle, quoi. Il monte. Il y a eu Landolt, il y a eu... Maintenant, Ludi, il y a toujours systématiquement Zappa. Au premier poteau, déviation. Ludi.
Et Ludic, il n'est pas monté pour rien. C'est assez cruel pour Lausanne, mais c'est un très beau but. Déviation au premier poteau et tête de Ludic. Oui, 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 oui. 37e minute. 1-0 pour Zurich, Ludic. On avait remarqué qu'il était monté. L'autre fois, c'était Landol. Alors, il y a une déviation au premier poteau, très légère. Quoi dire, Kovic, hein, pas certain. C'est Ludic qui crucifie Eric Burgener. Ludic. Indiscutablement Ludic. Au revoir. Je sens, moi, quant à moi, que c'est Jerkovic qui a dévié. On n'est vraiment pas du tout certain parce qu'il nous semble que Jerkovic, on le voit dans l'image ici, lever les bras au milieu de cette image. Peu importe, mais le ralenti qui nous est donné ne nous permet pas à nous de voir ce qui s'est passé exactement. C'est égal, Koch. Koch obtient un corner face à Schönenberg. Ce qui est certain, alors c'est Ludic qui a marqué. À tour de rôle, les défenseurs, les deux défenseurs centraux de Zurich montent sur les corners, à part Zappa qui y est toujours. Et c'était au tour de Ludic. Je ne sais pas exactement qui détermine cette alternance. Ludic a tiré le maximum de profit de ce corner d'Elsener. Et là, c'est lui qui renvoie. Tachet. Un Lausannois au sol. Interception Raczynski. Vicker. C'est Parietti qui est au sol devant les buts de Grob. Un autre Lausannois au sol. On ne sait plus regarder. Là, c'est Raczynski qui est au sol. On peut vous dire les noms, on peut pas vous dire pourquoi. Parce qu'on regardait ce pauvre Parietti qui était touché apparemment dans les reins. Et intervention du soigneur, un des deux soigneurs du Lausanne Sport. Ici, c'est Miliquet. Parietti est remis. Raczynski, qui est solide aussi, s'est relevé. Mais il y a des moments chauds sur cette pelouse du Wangdorf. Les satanés zurichois ont marqué pas mal de buts sur corner cette saison. Et bien que l'adversaire soit prévenu, ils réussissent encore. Zappa, Jerkovic, Zwicker. Zwicker, Zappa. Est-ce que... Offside là-bas de Moser. 40 minutes, 40 minutes et 30 secondes, 4 minutes et demie à jouer. Zurich qui avait été assez en difficulté dans les 35 premières minutes de ce match. Mène 1-0 par Ludic. On pensait généralement avant le match que l'ouverture du score serait une bonne chose pour la qualité du jeu, pour le spectacle. De toute façon, Lausanne Sport semble avoir les moyens de donner une excellente réplique et de revenir au score. Castella, Tachet, Koch, non, Schönenberg. Schönenberg et Grob, il n'y a pas eu mésentente véritablement, mais enfin, ils ont tous les deux voulu faire le travail. Ils n'ont pas joué très souvent ensemble, puisque Grob est là depuis 14 ans, FC Zurich, et Schönenberg depuis, disons deux mois, en tant que titulaire. Très longue, Bamert, non, trop longue pour Bamert. Castella et Bamert. Pour qui la tête de Leravello. Ni dans le cadre, ni tout à fait récupérable pour Koch. Mais enfin, une nouvelle fois, une action lausannoise débouchant sur quelques frissons pour Grob et ses défenseurs. Car si l'on comptabilise les actions ou les occasions, demi-occasions si vous préférez, il faut bien dire que Lausanne s'en est créé un peu plus que Zurich. Castella, Koch. Riff est parti comme un bolide sur la gauche, mais Koch qui insiste
un peu individuellement, a perdu ce ballon. Il revient très fort sur Zwicker pour essayer de le récupérer. Zwicker, je ne sais pas s'il a voulu faire cette sorte de centre, tir, lobe, lobé. Je ne pense pas. Zwicker. Mais lui, discret jusqu'à la 30e minute, est beaucoup plus efficace maintenant, Zwicker. Les Ravello. Moron. Jerkovic. Landolt. Un homme seul à droite. Mais la passe lui arrive difficilement cette Zwicker qui ne peut pas la récupérer, cette passe. Il reste 2 minutes en première mi-temps. On attend toujours de savoir combien il y a de spectateurs au Wangdorf. Moron. Moron. Zappa. Jusqu'ici, Lausanne a bien tenu son rôle de challenger. Mais le champion n'a pas failli. Et là... du champion et de Zurich en particulier, c'est de tirer parti de tout. Et cette saison, dans le domaine des corners, Zurich a tiré un profit maximum. Peter Hans. On va voir quel sera le visage du Lausanne Sport en deuxième mi-temps. Lausanne qui est mené, qui va jouer avec le maximum de cartes offensives, on pourrait voir être introduit, bien qu'aucun n'est véritablement démérité des Lausannois, voir l'introduction de Dizran au détriment non pas d'un attaquant, mais plutôt peut-être d'un milieu de terrain, encore qu'il soit peut-être prématuré de jouer littéralement à 4 attaquants contre un Zurich qui, lorsqu'il ne parvient pas à imposer totalement son jeu, ce qui est le cas aujourd'hui, et reste extrêmement dangereux dans l'utilisation maximale des contre-attaques. Zwicker, Jerkovic, Elsener. Elsener, il reste une petite minute. Ah, il doit tout de même intervenir, M. Baumann. Il a un peu tardé à le faire, estimant que les joueurs allaient s'arranger à l'amiable, mais ça n'a pas été le cas. Tachet qui se demandait si l'arbitre avait sifflé la mi-temps. Il l'a fait, mais on ne s'entend plus beaucoup ici au Wangdorf, car il y a une ambiance assez folle. Et au terme de ces 45 premières minutes, M. Baumann renvoie au vestiaire le Lausanne Sport, avec Chapuis, représenté ici par Chapuisa et par Miliquet, qui est mené par 1-0. But marqué à la 37e minute sur un corner d'Elsener par Ludi. 1-0 pour Zurich. Mais jusqu'ici, Lausanne a été très inquiétant pour le champion suisse de FC Zurich. Et rien ne dit que la deuxième mi-temps ne nous montrera pas un spectacle encore plus haletant que celui qui nous a été présenté en première mi-temps, où Lausanne s'est créé un certain nombre d'occasions. Eh bien, ici au Wangdorf, le Lausanne Sport a opéré un changement. Charlie Hertig a fait entrer Dizran, numéro 13, pour Castella, homme de milieu de terrain, numéro 7. On s'y attendait. Alors, 4 attaquants au Lausanne Sport pour tenter de revenir au score face à Zurich, qui mène par 1-0, but de Ludi. Alors, Schönenberg pour Peter Hans. Peter Hans derrière lui, là, Zwicker. Zwicker lève la balle qui est cueillie très facilement. Alors là, cette fois-ci, c'est Zurich qui attaque en contre à 3 contre 1 ou 2. Et Zwicker qui ne peut pas, d'ailleurs, la passe de Peter Hans n'était pas fameuse, comme le centre de Schönenberg n'était pas extraordinaire non plus. Ceci dans la première minute de jeu d'une finale bonne, un peu dure en première mi-temps en certaines circonstances, mais de bonne qualité, très bonne qualité, avec un très bon Lausanne Sport pour qui le score est assez injuste et cruel. Koch, mauvais contrôle, mais tir croisé sur
Zappa, corner pour Lausanne Sport. Sur cette action du Hollandais. Toc. Très violemment tiré. Et but. Mais alors, qui a marqué là? Qui a marqué? Disvent, je crois, mais non. Où est-ce qu'on attribue le but à Koch, qui a tiré directement dedans? Est-ce qu'un Lausannois a dévié la balle? On nous montre Disvent, on nous montre le Lausanne Sport en délire, qui égalise. Après une minute et demie de jeu, 46e, 47e minute, on revoit 1-1. Égalisation sur corner. Alors, Koch a botté le corner puissamment. C'est Moron, je crois. C'est Moron qui a dévié. À mon sens, c'est Moron qui a dévié. On va voir ce que dit le speaker. Direct. On revoit. Koch. Alors, on estime que la balle n'a pas été touchée. C'est fort possible d'ailleurs. On avait Moron sur la trajectoire, mais le but est attribué à Koch sur corner, directement transformé. On pourrait demander aux intéressés eux-mêmes, mais il est plus important de savoir qu'en une centaine de secondes, par Koch dira-t-on, Lausanne est revenue au niveau de Zurich. C'est Koch qui a créé l'action. C'est Koch qui a obtenu le corner, c'est Koch qui l'a tiré, comme vous le voyez. Et c'est fort possible, en effet, que la balle n'ait été touchée par personne. Peut-être que c'est un jury, quoi. Enfin, peu importe, c'est ça l'essentiel. Et on donnera le but à Koch, ce qui a été fait officiellement par le haut-parleur. Il est possible que Schönenberg ait touché la balle, mais alors d'ici, malgré les ralentis distillés par Jean Gâteau, il est très difficile d'affirmer exactement quelle a été la trajectoire de la balle et si celle-ci a été légèrement détournée. 1-1. Elsener et Koch. Monsieur Baumann laisse aller alors qu'on... On entame une passe de lutte suisse ou gréco-romaine, ou voire d'un autre sport qui frise les arts martiaux. C'est coup franc pour Zurich par Jerkovic. Alors ça va donner une dimension certaine au match que cette égalisation lausannoise, qui est venue très tôt, ce qui pour le spectacle est excellent. Chapuisat. Monsieur Baumann avait sifflé. Mais les coups de sifflet de Monsieur Baumann, on ne les entend alors. Pas du tout. L'air à vélo d'Isran. Et d'Isran démarre. Alors, un homme au sol, est-ce que M. Baumann va faire? C'est Tachet. Jerkovic insiste. Tachet se rebiffe. Jerkovic prêche le calme, mais oh, attitude désagréable là du joueur yougoslave. Désagréable. Zurich qui était déjà en première mi-temps pas tout à fait à son aise face à ce très bon Lausanne Sport. Percé, Schönenberg qui sort, arrivée de Moser, Monsieur Baumann indique qu'il y a eu, mais qu'est-ce qu'il... donne un pénalty à UFC Zurich. Je pense qu'on pourra voir le ralenti après l'exécution du pénalty.
On va laisser tirer Zappa face à Burgener. Et si Burgener réalisait... Il a touché la balle, mais Zappa frappe tellement puissamment qu'il a battu Burgener sur pénalty. Alors, 47e minute de la deuxième mi-temps, 2-1, Zappa sur pénalty. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est pourquoi. On ne sait pas, on se consulte ici, il y a une faute. Demain, on revoit. Alors, la percée de Schoenenberg. Et puis, oui, il y a une main là. Il y a une main avant le plongeon de Moser. Il y a une main lausannoise. Qui? Parietti vraisemblablement. On se consulte ici parce que... Il faut le suivre ce match. Jouer à un tempo plus qu'endiablé. Et Zurich a retourné la situation en quelques secondes après l'égalisation de On revoit. On voit. Alors le Zappa, il tire au milieu du but. Burgener est parti sur sa gauche. Et il ne peut pas, même plaçant sa main sur la trajectoire, il ne peut que détourner dans son propre but. C'est dire avec quelle puissance, on le savait, tire Zappa. Il tire très puissamment de 30 mètres. Alors vous pensez bien que sur 11 mètres, la balle prend des vitesses extraordinaires. Au centre, la balle va arriver à Ravello qui frappe. Oh, quel tir terrible! Coq, un raté de Coq incroyable. Là aussi, après cette volée de Ravello, le match devient fou. Ah, quelle finale nous vivons! Ravello a frappé avec une pureté et une force extraordinaire, mais ce satané Grob était sur la trajectoire. C'est vraiment un tout grand bonhomme que ce gardien de Zurich. On revoit la frappe, deux balles de Ravello, parfaite, absolument parfaite. La balle ne s'élève même pas. Et l'arrêt de Grob qui est littéralement bousculé par le tir de Ravello. C'était à la 8e minute. On repart par Tachet. Mais Ludi va vite. Ah, on ne saurait en rester là. On ne saurait en rester là. C'est parti pour les pires folies, les prises de risque. Ceci après 9 minutes dans cette deuxième mi-temps. Lausanne va jouer alors vraisemblablement la carte offensive au maximum. Et Zurich est particulièrement inquiétant dans ses contres et sa capacité de les transformer en but. Jerkovic. Il y aura un changement au FC Zurich tout à l'heure. C'est Kundert qu'on prépare. Jean Dupeux, légèrement inquiet. Un peu crispé. Schoenenberg, alors depuis que Dizran est entré, il est chargé de le contrôler. Il n'a jamais été aussi offensif, Schoenenberg. C'est à n'y rien comprendre. Je pense que Moser va sortir tout à l'heure et Kundert va entrer. Si les joueurs qui ont décidé de ne pas laisser souffler le public. Corner pour Zurich et Kundert. Kundert qui sprint le long de la ligne de touche. S'il entre, ce sera très, très, très vraisemblablement pour Moser. Alors, une nouvelle fois, Elsener. Premier poteau, lutte de Moser. Puis, Zappa. Derrière, il y a Landolt. Il y a Zwicker dans le prolongement. La balle est sortie. Il y avait Peter Hans et cette fois-ci, c'est Landolt qui était monté sur le corner de
Rudy Elzener. Koch. Bamert. Bamert. A voulu lancer Rasinski. Zappa. Bamert s'accroche à Zappa parce qu'il sait qu'il a commis une erreur là qui peut coûter cher. Il a perdu un ballon, mais la défense nous a pu se regrouper. Ludi. Ludi, attention, il sait jouer même dans la phase offensive. Elzener avec Riff. Elzener ne passe pas mais obtient le corner. Pour le moins bizarre, la décision. Sans... Voici le nombre de spectateurs. 40 000. C'est une belle affluence pour cette finale. 40 000 spectateurs avec retransmission en direct à la télévision. 40 000 spectateurs, c'est vraiment une belle, belle affluence. 40 000 après les 40 000 de balles pour le match Suisse-Angleterre. Le football ne se porte pas si mal ce printemps en Suisse. Zwicker fait la passe en retrait pour qui? C'était vraisemblablement destiné à Zappa. Bon. Faute de Landolt. Chapuisa. 12e minute de jeu. Chapuisa dans l'axe. L'air à vélo, bien joué. Parietti. Koch est démarqué, complètement démarqué sur la droite. Parietti, transversal pour Koch. Non, la tête de Schellenberg qui contrôle le liseron. Encore Chapuisa. Appel de balle de l'air à vélo. Grobe devant Tachet. Il n'a fait que rabattre la balle devant lui. Elzener à la rescousse. Talonnade et Moser. Très jolie réussite technique d'Elzener. Bamert. Il y avait offside de Lausannois, mais la balle étant zurichoise, ça repart par Jerkovic. Zappa, Jerkovic. Ballon récupéré par Koch. Koch Mouron sur sa gauche. Tachet. Tachet seul. Offside. Il était offside. Il était offside. Ce n'est pas la première fois. Mais oui, ça le fait pas. Quelle épithète il faut accoler au sourire de Tachet. Regardez l'action. On voit très bien ici Koch. Il n'y a que Landolt. On ne voit d'ailleurs que Landolt. Et par rapport à Landolt, en tout cas, Tachet offside. Non seulement il est offside, mais il rate une nouvelle fois son tir. Alors il a déjà raté un tir en première mi-temps. Moser s'en va. Il y a un changement, Moser s'en va au Zurich et rentre Pundert. Moser qui s'en va rejoindre son entraîneur Daniel Jean-Dupeux. Alors, que va faire Pundert? Il est proche de Koch. Est-ce que il serait là pour une mission spéciale? Rasinski-Bürgener. Alors Kundert, ceci après 15 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Kundert. Zappa. Rasinski. On ne s'entend déjà pas dans ce stade du Wangdorf parce qu'il y a 40 000 spectateurs et que les 40 000 spectateurs vibrent au spectacle et aux exploits des joueurs, parfois entachés par quelques irrégularités. Irrégularité traduite ici par la présence de Lausannois sur la pelouse. Et ce qui est désagréable, c'est qu'en plus de cette ambiance, il y a le haut-parleur qui n'arrête pas de faire des communiqués sans rapport avec la rencontre. On n'a pas suivi l'action, on ne sait pas quel est le Lausannois qui est au sol. Il a reçu récemment la balle dans l'abdomen, mais qui est, ça n'est pas... C'est Koch. On n'a pas vu le début de l'action, ça doit être le Hollandais Koch, auteur sur corner direct du but de l'égalisation.
Ce sera intéressant de voir si Kundert, dans cette dernière demi-heure de jeu, est chargé de la surveillance de Koch. Le voici, c'est bel et bien le Hollandais. Kundert qui est entré à la place de Moser. Ce serait un peu contraire au principe de Daniel Jean Dupeux. Koch a retrouvé son souffle. Peter Hans Elsener. Islin Jakovic est parti en profondeur. Peter Hans. Offside de Jakovic, qui était derrière, en effet, Chapuisa. Parietti. Pour le moment, on a peu utilisé. Enfin, c'est les circonstances qui l'ont voulu, vraisemblablement. On a peu utilisé la fusée d'Isran. Entrée à la mi-temps. Ballon perdu par Riff. Elsener au centre, Peter Hans dans le prolongement de Zwicker. Elsener toujours, Elsener. Ah, mais Riff est bien revenu. Il a corrigé son erreur, Riff. Il ne donne pas le corner, c'est incroyable. Il y avait corner sur l'action de Elsener. Balle mise en touche par Riff. Monsieur Baumann est victime aussi d'un coup de chaleur, vraisemblablement. Les Ravello. Il y a de l'espace pour Bamert, mais Dizran s'est serré sur le centre. Mauvais contrôle de Les Ravello. Dizran a tiré par le but. Vous l'avez juste à l'extrême droite de l'image, au fond, là. Dizran qui est assoiffé de but, qui a besoin et envie de jouer, a tendance peut-être à venir piétiner les plates-bandes des hommes du centre. Jerkovic pour Zurich. Elsener. Jerkovic. Elsener appelle de balle de Ludi sur la droite. Ludi avec Chapuisa. Il passe. Chapuisa. Ludi derrière lui. Jerkovic renvoie Lausannois. Ludi a réussi un très bon débordement et au dépens de Chapuisa, son ancien coéquipier. Zwicker. Parietti. Faute de Parietti. Bon. Bonne balle pour les Ravello. Alors, il y a Dizran devant les Ravello. Dizran avec Schoenenberg. Il a passé. Dizran. Moron est bien placé. Dizran. Moron, goal! Bien joué, Dizran. Première action de Dizran et Moron égalise. Moron, 2-2. Fantastique finale de coupe. 19e minute, 2-2 par Moron sur une action de 10 ans. A démarré très vite et a passé, mais alors avec une facilité dérisoire. Schoenenberg pour centrer très bien sur Moron. Reprise parfaite, 2-2. À quelques 5-6 mètres, on va revoir. Regardez, la passe vient de Les Ravello. Alors, 10 ans, un des premiers ballons. Pour Georges Dizran, le joker de Superlux. Alors, maintenant il s'agit de faire la passe. Moron surgit. Rome n'y peut rien. 2-2. 2-2. Oh, très belle finale. Très très belle finale. Ils sont à la hauteur des promesses des joueurs de Zurich et de Lausanne. Alors deux partout, alors qu'il reste 25 minutes, 24 minutes à jouer. On va redire ce qu'on a dit au début de la deuxième mi-temps. On risque fort de ne pas en rester là. Le match a un caractère débridé qui nous plaît beaucoup, comme il doit plaire aux téléspectateurs. On revoit d'ailleurs l'action lausannoise victorieuse de Les Ravello d'abord, Dizran et ensuite Moron. Bamert. Bamert.
Gisran les Ravello. Il va vite, mais tout de même. Il faut quand même lui remettre la balle dans les limites du terrain de jeu. Zwicker, Kundert à côté de lui. Intervention par Yeti, encore Zwicker. Ludi. Enfin, la balle arrive à Kundert. Renard Edburgener sur le tir de Kundert en position d'ailier gauche. Le voici, le petit Kundert qui est le plus jeune. Il est entré donc en deuxième mi-temps, Kundert. Il est le plus jeune joueur de cette finale. Il a 19 ans. Il est titulaire depuis 2 ans et demi. Alors, on est surpris d'apprendre qu'il n'a que 19 ans. Koch, qui a été éliminé par Zappa, qui pourrait bien voir devant lui un carton jaune. Mais monsieur Baumann décide de ne pas sévir. Chapuisa au coup franc. Après cette intervention de Zappa, oh, le match n'est pas à attendre. Très haut, très haut, très haut. La tête de Bamert. Robesit, sauvetage par Ludi. Ah, là, il y a eu un flottement, pour ne pas dire plus, dans la défense zurichoise. On revoit que sur le coup franc botté, très haut, très loin par Chapuisa, c'est la tête de Bamert qui surgit. On s'y attendait un peu. Et puis là, Grob sort, mais un peu tard, et Ludi est contraint à ce dégagement un peu hasardeux. Zwicker face à Chapuisa. Zwicker, il n'a pas beaucoup d'appui, il est tout seul quasiment au poteau de corner, et cette fois, Chapuisa prend le dessus avec beaucoup de calme, suscitant dans la foule sur notre droite des réactions, des applaudissements. Koch, 10 ans, légèrement freiné dans sa course par la trajectoire de la balle. Et les Ravello, déviation. Non, ça, c'est Taché, je crois, qui a tiré. Pas les Ravello, ça doit être Taché. Oui, ça doit être Taché qui a tiré. La balle a été touchée par un Zurichois. C'est après 24 minutes de jeu, un corner. Un nouveau, il y en a eu. On a eu le tort de ne pas les compter, les comptabiliser. Il doit bien y en avoir 8 ou 9 de chaque côté. Koch. Alors, les Zurichois sont prévenus. Bonne remise de la tête. Dans des circonstances difficiles, une nouvelle fois par Bamert. Que voici une découverte aussi cette saison. Un jeune homme venu de Suisse alémanique qui joue à Stade Lausanne et puis qui passa au Lausanne Sport où il fut utilisé à plusieurs postes avant de trouver apparemment sa place idéale comme stopper devant Chapuisa. Encore 20 minutes. Lausanne 2, Zurich 2. Et un très très bon match. Il y a vraiment un peu de tout dans ce match. Des gestes techniques, beaucoup d'engagement. Et puis 40 000 spectateurs. Jakovic, Ludi. Les Lausannois doivent redouter ce bonhomme lorsqu'il monte balle au pied. Elzener, Ludi. La balle est restée bloquée, mais Ludi essaye cette fois, une nouvelle fois. Ah, faut pas exagérer, Ludi. Une fois, ça va. On va se dire Gabé Chapuisa, mais la deuxième, on ne passe pas. Remise. Sur une action, Ludi Kundert. Les chocs sont parfois assez impressionnants. L'esprit général paraît rester bon, mais
On y va des deux côtés quand même. Si vous me passez l'expression. Brief. Attention, Moron qui cherche, appelle la balle sur la gauche. Iselin. Elsener, attention à Peter Hans. Bien placé au centre. Elsener, Elsener. S'entend très. Deux Zurichois sur la trajectoire. Zwicker et Peter Hans. Mais balle à Razinski de l'autre côté. C'était à la 26e minute. Désespoir de Zwicker et Peter Hans. Ludi. C'est Zwicker. Ludi. Zwicker. Zappa sur sa gauche. S'il peut servir de Zappa, préfère tenter le débordement solitaire. Et cette fois, on va tout de même donner le corner, je pense. Parce que Riff a sorti la balle du terrain. 27e minute. Elsener, Ludi sur le point de pénalty. Schönenberg derrière Ludi. Elsener à Schönenberg. Burgener derrière Ludi. Bon arrêt. Lera Velo. Koch est seul. La passe est trop longue. Mais, et Grobs. Grobs a failli faire une passe attachée qui était tout seul. Il avait 30 mètres. 30 mètres d'herbe verte et complètement libre devant lui. Tachès, s'il peut reprendre le dégagement. Iselin. Et la passe adressée en profondeur à Koch n'était pas si mauvaise puisqu'elle a contraint Grobs à ce dégagement en catastrophe. Jerkovic. Kundert. Elsener Kundert, ça c'est bien joué. Kundert. Chapuisa s'est interposé. Et Burgener face à Peter Hans. Encore 17 minutes à jouer. Razinski. Zappa. On commence à se demander si le dernier quart d'heure sera vaudois, un bon quart d'heure vaudois ou zurichois. Les équipes sont sur ce match très très près les unes des autres. Ce qu'on souhaite, c'est que la décision ne se fasse pas sur un incident de jeu, sur une erreur ou un coup de pied arrêté. On souhaite que si vainqueur il y a avant la fin du temps réglementaire, ce soit au terme d'une très belle action de football. Ça serait, cette finale, en tout cas, le mériterait. Koch. Il a bien vu les Ravelo. Les Ravelo. Main de Schönenberg. Là, il y aurait matière presque à avertissement. D'abord, il fait une faute de main, puis il envoie la balle dehors. C'est peut-être un petit peu sévère, mais l'arbitre ne paraît pas déterminé et décidé à donner des avertissements. Tout à l'heure, Zappa a pu faire mal à un Lausannois, Koch en l'occurrence, sans être puni. Alors, c'est Lera Velo qui est au sol cette fois. C'est des signes indiquant qu'il va falloir vraisemblablement changer, ce qui devrait permettre l'introduction de Guillaume. C'est les circonstances qui permettraient à Guillaume d'entrer. Mais Guillaume, on l'attendait un petit peu parce que Guillaume, c'est un joueur extrêmement intelligent qui ne fait pas tout à fait la carrière qu'il aurait pu faire ou dû faire. C'est pas lui qui va entrer. Ce n'est pas lui qui va entrer, c'est Crescenzi. C'est Crescenzi qui va entrer. Mais pas Guillaume. Ceci pour l'air à vélo. Crescenzi. Qui a joué dans certains matchs de coupe qui ont qualifié Lausanne. Lera Velo a l'air d'être sérieusement touché.
Et alors, l'axe de Mannschaft Lausanne, Georges-Manger Lausanne, à place du numéro 10, les Ravello jouent avec le numéro 15, Crescenzi. Ceci, c'est à 15 minutes de la fin que s'est fait ce changement annoncé par le haut-parleur. Très longue balle, Bamert a sauté. Il était un petit peu court. Celle-ci a marqué un but dans le match de coupe contre Nordstern à Bâle, le dernier. C'est un but utile qui a permis à Lausanne de venir ici en finale. Taché, Schönenberg, Bamert ne peut pas prendre, mais Chapuisat, oui. Crescenzi, c'était pour Dizran. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Au rythme où s'est joué ce match, si les deux équipes devaient jouer deux heures, c'est-à-dire jouer les prolongations, ce serait vraisemblablement assez pénible. Crescenzi, bonne balle. Un peu longue, dommage. Il me paraissait très, très, très bonne. Dizran fait le geste. Elle était un peu longue. Elle est sortie. Ah ouais. Oui, ça a l'air sérieux pour le pauvre Leravello. Puisqu'on a amené une civière. Ludy. Elzener Zwicker pour Elzener. Elzener encore pour qui dans le dos de Peter Hans. De Chapuisat à Bergener. Landolt. Landolt, Elzener, Landolt. Qui peut toucher pour Zwicker. Zwicker face à Bamert. On évacue les Ravello. Zwicker. Alors, corner pour Zurich à une bonne dizaine de minutes de la fin. C'est dangereux. Vous voyez Zappa qui est très près, qui est contrôlé par Riff là. Tout près d'Eric Bergener, c'est Elzener qui tire. Bergener prend le rôle. La balle revient, sauvetage par Chapuisat. C'est Chapuisat qui a sauvé sur la ligne cette fois-ci. Il est vraiment très redoutable, Elzener, sur ses corners. Mais c'est Chapuisat qui a sauvé Lausanne Sport à 10 minutes de la fin. Djakovic ou Koch. La passe n'arrive pas. Elle est touchée par Ludy, par la main de Ludy. Monsieur Baumann intervient. Ils étaient là, deux devant Koch contre deux défenseurs. Chapuisat. Koch. Va perdre la balle sur Kundert. Attention à l'arrivée de Parietti. Kundert qui en avant. Bamert, attention. Bergener face à Zwicker. On repart par Crescenzi sur la droite. 10 minutes à jouer. Parietti. Bon,
Auteur du but égalisateur splendide sur le centre de Dizra. Ballon pour Tachet. Ah, cette fois-ci, il était beaucoup moins loin du cadre que précédemment. Il n'est pas content, le Vaudois Tachet de Founet. Il a commencé sa carrière à Nyon, hein, beaucoup moins loin que lors de son tir précédent. Moins loin du cadre, bien sûr. Zener en fait beaucoup dans cette deuxième étape. Il est constamment dangereux et il est souvent bien appuyé par Svicker, voire par Kunder. Au centre, c'est bien joué de Peter Hans qui a surgi là entre Chapuisa et Bamert pour enlever un petit peu trop son tir. On va revoir le débordement. Et puis c'est Peter Hans que vous avez là. Vous allez voir qu'il prend la balle entre les deux Lausannois pour la lever par-dessus la cage de Burgener. Si vous avez eu le loisir de compter les corners et les situations dangereuses, les occasions de but dans ce match, vous constaterez que le score de 1-2 est tout à fait justifié. Il pourrait même y en avoir davantage. Moron, Dizran, Crescenzi à côté de Dizran. La vallée. C'était presque, il y avait presque matière à intervention de l'arbitre pour conservation, si j'ose dire, illicite du ballon sous son corps de la part des défenseurs zurichois. Donc, à 10 minutes de la fin, on constate, à 8 minutes de la fin, on constate que Lausanne Sport a opéré les deux changements qu'il pouvait faire. C'est-à-dire que Crescenzi a relayé le pauvre Leravello qui est sorti sur une civière et Dizran a pris la place de Castella. Zurich n'a fait qu'un changement, Kundert pour Moser. C'est-à-dire que si les deux équipes devaient aborder les prolongations, Lausanne ne pourrait plus changer. Zurich pourrait, mais n'a pas beaucoup de réserves. C'est une des faiblesses peut-être de l'actuel Zurich. Paglietti. C'est bien, très bien joué. Très jolie touche de Paglietti qui a vu. Bonne balle pour Paglietti qui prolonge à Dizran. Dizran redresse sa course. La balle passe derrière la cage. Nouveau mouvement très dangereux. Sur l'aile droite avec Dizran. Six minutes à jouer, corner partagé. Dizran, vous l'avez dans l'image. Il a joué assez régulièrement cette saison, mais à la fin du match seulement. Tachet, attention, Coq. Coq surgit derrière la défense. Groble a été battu. Parce que Tachet, lui aussi, a frappé sur corner très, très fort. On constate que les corners ne sont plus tirés en cloche, mais frappés très, très violemment, vous le constatez. Là, il va passer au ralenti, on constate. Grob lève le bras, mais de manière, la balle touche les pieds de Kundert et c'est corner de l'autre côté par Coq. Remise. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de Lausannois vraiment, vraiment bien placé sur cette remise de la tête de, je crois, de Dizran. Lausanne termine très, très fort. Tachet en position. Tachet, bien joué. Oh, c'est dommage, c'est malheureux. Tachet qui commence à trouver vraiment sa distance. Sa balle frappe la transversale. Et là, il a ajusté très bien. Il a retenu son tir. Il n'a pas tiré en puissance. Il a cherché véritablement la lucarne, le lobe. Il a très, très bien joué, Tachet. Et Grobe est sauvé. Mais Lausanne est remarquable. Fin de match effréné, endiablé. Dizran, Grobe, la balle était peut-être sortie sur le débordement de Georges Dizran. Eh bien, Lausanne a joué, on peut dire, presque tout le match comme il a joué la deuxième mi-temps contre le Grasshop. Quand on connaît la valeur, on voit Tachet dans l'image, la valeur de Zurich cette saison, qui n'a plus perdu, je le répète, depuis le mois de mars.
et qui a été un très très beau champion de Suisse cette saison. Tout ceci met en valeur et situe bien la performance des Vaudois dans cette finale de la Coupe. Performance que le pauvre Leravello doit contempler de sa civière. Il n'a pas l'air de trop souffrir en tout cas. Sinon, en plus apparemment dans sa tête, nerveusement, que dans sa chair. Car maintenant, il ne reste plus que 4 minutes à jouer. Les Lausannois sont tendus. Et très encouragé, il faut le dire. Il y a beaucoup, voici Richard Dur. Il est tellement grand et puissant qu'il est le seul à sortir littéralement de la cabine où se trouvent les entraîneurs et les joueurs remplaçants. Koch, il a évité Jerkovic. Koch encore. Alors il faut lui faire de la place à Koch. Il faut créer des espaces pour que Koch puisse s'infiltrer. Liseron. Ah, intervention Schönenberg. À vrai dire, je ne pense pas que ce serait du chauvinisme roman de tenter de dire maintenant que Lausanne mérite la victoire dans cette finale sur la base de l'ensemble du match et surtout de la pression terrible qu'il exerce maintenant sur Zurich, qu'il malmène ô combien dans ces dernières minutes. Lausanne la veut, cette finale de Coupe, 14 ans après l'échec de 67. Sortie de groupe, tête de Parietti, la balle est à une assez curieuse trajectoire, mais attention à Elzener. Zwicker, Peter Hans est tout seul, mais il faudra encore faire passer la balle en direction de Zwicker. Est resté bloqué et Chapuisat est monté servant Parietti. Moron. Et Moron glisse. Encore deux petites minutes. Peter Hans. Retour de Tachet. Encore une minute même. On attend le coup de sifflet de M. Baumann. Les esprits se préparent éventuellement à jouer les prolongations. Mais, Tachet. Pas de faute, dit M. Baumann. Chapuisat qui a couché Zwicker. Il y avait offside de Koch sur la montée de Chapuisat. Zwicker s'est relevé. Il reste 10 secondes. Liseron. Balle prolongée. Moron Bastol. Moron. Grove. C'est pas fini si l'arbitre n'a pas le même chronomètre que nous. Ça n'est pas fini. J'espère que ce rush final des Lausannois ne leur coûtera pas trop de force vive s'ils doivent jouer les prolongations. Koch, merveilleux Koch. Koch. Ah, la balle revient dans les pieds de Zappa. Parietti croque en jambe à un Zurichois à la pendule du stade du Wangdorf. La deuxième mi-temps, par conséquent, le match terminé. Et je crois qu'à la montre de M. Baumann, ça va être le cas dans quelques secondes. Voilà, on n'entend pas son coup de sifflet, mais on devine qu'il a sifflé
Au terme de 90 minutes de jeu, Lausanne Sport et Zurich font match nul 2-2. Au terme de 90 minutes d'excellent football 2-2, on serait tenté de dire que Lausanne a été plus près de la victoire que le FC Zurich. En tout cas, Lausanne a tenu son rôle aujourd'hui avec beaucoup de brio, beaucoup de talent, beaucoup de qualité face aux champions de Suisse de Zurich, également finaliste de la Coupe. Et dans quelques 5 minutes, nous allons aborder les prolongations de cette finale de la Coupe qui laissera aux 40 000 spectateurs un très 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 bon souvenir en rappelant comment et quand les buts ont été marqués. D'abord, à la 37e minute sur un corner de Elsener, la balle a été légèrement déviée par Jerkovic, puis Ludi l'a catapulté de la tête dans les buts. Alors qu'on voit maintenant un Zurichois, ça doit être Kurz, le numéro 14. Il va se chauffer puisque les Zurichois peuvent encore. Non, c'est beau. C'est beau. Ils peuvent encore faire jouer un homme dans la prolongation. Donc 1-0 après 37 minutes de jeu. Puis en deuxième mi-temps, on engage. Puis sur un corner, Koch tire directement dans la cage de groupe. C'est 1-1. À la 5 minutes plus tard, à la 7e minute, alors qu'on emmène ici les Ravello, qui est sorti à 10 minutes, 15 minutes de la fin, qui a mal tout de même. Tout à l'heure, il avait l'air assez détendu et ne pas trop souffrir, mais c'était une illusion. Il a l'air d'avoir très mal. Nous n'avons aucune nouvelle de lui. Nous ne savons pas où il a été touché. Mais revenons plutôt à l'énoncé des buts de ce match. 1-1 donc sur corner direct par Koch. Puis 5 minutes plus tard, 2-1 pour Zurich sur pénalty par Zappa pour une faute de main de Parietti apparemment. Et enfin, à la 19e minute de la deuxième mi-temps, une splendide égalisation. Quelques diserans étaient entrés à la mi-temps. Voici le président Rumeau qui paraît avoir du plaisir. Un but de Moron sur un centre de diserans qui était entré en deuxième mi-temps pour Castella. Oui, il a de quoi, il a de quoi. D'ailleurs, il n'est pas le seul parmi les 40 000 spectateurs, président Rumeau, à avoir du plaisir à cette finale de Coupe qui est de très bon niveau. Et en tout cas, les deux équipes dont on disait que leur présence au Wankdorf était justifiée pour l'ensemble de la saison n'ont pas raté leur rendez-vous, n'ont pas raté le spectacle qu'ils avaient implicitement promis par la qualité de leur jeu ce printemps. Et c'est en tout cas pour les observateurs du football suisse un gros sujet de satisfaction que de voir Lausanne et Zurich en finale, et surtout que Lausanne et Zurich sont dirigés par des entraîneurs suisses et qui plus est très jeune, Jean Dupeux, 32 ans, et Ertig, 42 ans. 30 minutes à jouer pour cette finale, 56e édition, qui pourrait devenir historique, en tout cas, qui est excellente au plan de la qualité. Faute de Zappa, qui met le ballon en touche. Je rappelle qu'au cas ou terme des 120 minutes de jeu, les deux équipes seraient encore à égalité. Le match serait rejoué le mercredi 10 ici au Wankdorf en soirée. Parietti laisse passer Jerkovic. Plus précisément à 19h30, donc mercredi soir, au cas où les deux équipes terminerait à égalité après 2 heures de jeu. Zwicker. Il y a un homme qui est tout seul derrière Zwicker, mais Zwicker préfère le débordement. La tête de Peter Hans. C'est très facile pour Berger. Là, Zwicker aurait pu jouer avec un homme qui était en appui derrière lui. Il a préféré un centre. Il a permis à Peter Hans de faire un joli plongeon, mais il est impossible dans une position de ce genre, avec un ballon comme ça, de mettre la balle dans la cage de manière à inquiéter un gardien comme Berger et même un autre. Donc finalement, c'était spectaculaire et joli, mais Zwicker n'a pas très bien joué, à notre sens, sur cette action. Parce qu'il n'était pas seul avec Peter Hans. Elsener, Razinski. Au risque de se répéter, ce qu'on souhaite, c'est que ce très beau match de football ne se termine pas par une décision, par la victoire de l'un ou de l'autre sur un but stupide, sur un but accidentel ou un but litigieux, discutable. On souhaite que s'il devait y avoir ce soir une issue, quelle qu'elle soit, en faveur
n'importe quelle équipe que ce soit, qu'elle le soit sur un beau but. Alors Schönenberg, Burgener donne des ordres, place ses défenseurs. Schönenberg, lui, fait la remise en touche. Lausanne a paru particulièrement fringant dans la dernière demi-minute. Dans la dernière demi-heure, pardon, sa domination a été même crescendo dans les dernières minutes, a paru plus frais que le FC Zurich. Chapuisat. Et quand on sait l'art de Jean Dupeu pour doser l'entraînement et garder, conserver l'état de fraîcheur de ses joueurs, c'est un nouveau compliment qu'on adresse indirectement au Lausanne Sport et aux entraîneurs Hertig et Dur. Moron directement dans les mains de Grobe. Zappa. Jerkovic. Alors, Moron. Dizran va seul. Puis Dizran. Oh non. Lausanne en aura raté des occasions dans ce match. Ce qui nous fait dire qu'il mériterait de gagner cette finale, parce que si l'on tient compte de la tête de Koch, sauvetage par Iseline, je crois, sur la ligne tout à l'heure, puis le tir de Tachet sur la transversale, cette occasion donnée à Edizran. Il faut aussi tenir compte que Chapuis a sauvé Lausanne Sport à un certain moment. On revoit l'action là, il est seul, complètement seul. Schönenberg, Jerkovic. Jerkovic évite Parietti. Il a cherché, je pense, la tête de Peter Hans, Jerkovic. Moron, Moron. A feinté là, de prolonger le ballon. Dizran. Monsieur Baumann laisse faire, laisse tout faire, Jerkovic. Chapuis à Razinski. Razinski, encore Razinski, puis Krasinski, puis... C'est évidemment parfois un peu confus, ce qui s'explique assez aisément. Peter Hans. De Ludi. Ah bon. Bon. Bon, il a de l'espace. Il va affronter Chapuisat. Préfère servir Iseline. Chapuisat sur la trajectoire. Non, c'était un centre d'Elzener et c'est corner une nouvelle fois par Elzener. Ça n'est pas très bon là pour Lausanne. 6 minutes de jeu dans cette première prolongation. Que de concéder des corners. Ludi est monté et puis le petit Kundert au premier poteau. Jerkovic hors du rectangle démarqué, très long, très très bonne prise de balle de Burgener face à Zwicker. Koch favorise un peu le regroupement mais garde la balle, serre et but de Krasinski, si je ne fais d'erreur. Ça doit être Krasinski qui a marqué. Surgissant sur la gauche. Et l'homme qui est entré tardivement, qui a dû marquer ce but pour Lausanne. Et Krasinski. Et Koch a pu servir très bien. Il avait une autre possibilité, mais Krasinski est venu et très joliment du pied droit. Marque pour Lausanne Sport à la 7e minute. 3 à 2. 7, 3 de la deuxième mi-temps. Krasinski. Numéro 15, Guillaume Pelletier de Lausanne.
Alors, Vincenzi numéro 15, 7 minutes 14. 3 pour Lausanne, 2 pour Zurich. Et cette fois, Lausanne la tient, sa coupe. Elle ne devrait point la lâcher. Mais il ne doit pas tout de même en perdre complètement la boule. Il est offside, Moron. Crescenzi, alors il ne joue pas très très souvent en première équipe. C'est un homme qui peut jouer un peu partout. C'est un joueur qui a peu d'expérience, évidemment. Mais là, il a marqué dans des circonstances quand même relativement difficiles à affronter Grob dans cette circonstance. Il a marqué, lui qui est plutôt un gaucher, très proprement du pied droit, en position d'ailier gauche, bien servi par Koch, qui aurait été un des grands hommes de ce match. Zappa. Alors, Crescenzi, Moron. Moron, Crescenzi. Crescenzi. Et goal de Crescenzi, incroyable. Incroyable final. Je crois même que Burgener va venir dans l'image. Les Lausannois arrivent de partout. Non, il y en a qui sont restés vers Burgener. Derrière, on voit le groupe qui vient saluer le deuxième but en l'espace de, je sais pas, même pas deux minutes, par le même Crescenzi 4-2. Eh bien, il y en a qui sont restés en défense, et surtout Chapuisat et Burgener, qui ne se sont même pas félicités de près, mais qui ont fait de loin, à 10 mètres l'un de l'autre, un geste qui en dit long, parce que ça fait longtemps qu'ils l'attendent, cette coupe. On revoit la percée à deux. Évidemment, Zurich maintenant est complètement désarçonné. Mais remarquez qu'en cette deuxième circonstance également, Crescenzi s'en sort fort bien malgré le retour d'un défenseur. C'est 4 pour Lausanne Sport, 2 pour Zurich. Et il reste 5 minutes dans la première prolongation. Bien, le manque de réussite du Lausanne Sport dans les 90 premières minutes, en certaines occasions assez manifestes, s'est complètement transformé. Là, deux ballons, deux buts pour le même joueur, Crescenzi, qui venait d'entrer. Zappa! Il faut bien que tout le monde participe pour gagner la coupe. Et là, Burgener a apporté sa part, puisque du point, il a détourné un bolide de Zappa, qu'on va revoir dans un angle qui nous permettra d'apprécier la détente de Burgener. Mais attention, on doit revenir, car le match va vite. On doit revenir en direct avec ce corner. Personne ne saurait... Moron face à Bourg. Cette fois, c'est le tour du capitaine Parietti. Mais Grob estime que ça suffit comme ça. Au tour de Parietti. Schoenenberg est de fort méchante humeur. Deux ou trois bouteilles sur le terrain. Moron. Faute de Dizran, Zappa pour Schoenenberg. Il y a vraiment beaucoup de supporters du Lausanne Sport, beaucoup de Vaudois, beaucoup qui ne sont pas Vaudois d'ailleurs, offside de Dizran. Parce qu'il y a un tintamarre absolument extraordinaire dans ce Wangdorf. Ludi Schoenenberg qui est tout seul sur la gauche. Il reste 3 minutes dans la première prolongation. Schoenenberg, la tête de Tachet. Crescenzi qui sort la balle de cette zone chaude et dangereuse. Faute lausannoise, monsieur l'arbitre. Alors, Dertig, encore un peu inquiet.
Jerković, Chapuisa. Bonne balle. Dizran. Alors, Moron part, mais offside. Offside de Moron. Zurich est en proie à un problème quasiment insoluble parce qu'il lui faudrait attaquer pour revenir. Mais chaque fois que les Lausannois, qu'ils soient deux ou trois seulement, ont le ballon, il y a danger pour Grobe. Alors, le problème pour Zurich paraît vraiment insoluble. Encore qu'on a vu tout à l'heure que Zappa avait quelques intentions et que si Burgener n'avait pas fait un arrêt assez extraordinaire, c'était peut-être la réduction du score. Enfin, Jean Dupeux, apparemment, est conscient que la situation devient très, très critique pour l'UFC Zurich. Koch. Razinski a été étendu, je crois, par Rieslin qui est sorti. Expulsion d'Iselin qui a frappé Razinski. On peut comprendre que les Zurichois soient... Il a frappé même très fort puisqu'il est encore KO au sol et qu'on demande le soigneur. C'est fort dommage, on peut comprendre certaines choses, mais quand même, Iselin n'avait pas à se laisser aller. Il gâche un peu cette finale. Et il n'arrange en tout cas pas les affaires de son équipe qui est déjà en perdition avec ce 4-2. Alors, Razinski se relève après avoir été compté out par l'arbitre Baumann. Reste quelques 2 minutes, à peine. 2 minutes peut-être, 2 minutes maximum dans cette première prolongation. 4 pour Lausanne dans cette première prolongation par le même Crescenzi. Alors, c'est Chapuisa qui va seul au but. On va s'amuser. Pas d'offside Moron. Alors, Moron Chapuisa. Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Moron? Il aurait tout de même pu faire ce cadeau à Chapuisa pour que le plaisir des Lausannois soit total. Changement, fin de la première prolongation. Une première prolongation qui a permis à Lausanne de prendre un avantage de 2 buts. Et d'aborder la deuxième prolongation, c'est-à-dire le dernier quart d'heure, avec 2 buts d'avance contre un Zurich diminué, avec 10 joueurs seulement sur la pelouse, puisque Iselin a été expulsé. L'histoire se répète un peu. Il y a des bouteilles sur la pelouse, comme il y a 14 ans quand Lausanne perdit face à Bâle. Cette fois, ce ne sont pas les Zurichois qui sont assis. Elzener était le seul à être assis sur la pelouse, mais ce n'était pas du tout pour faire la grève, comme les Lausannois en 67 face à Bâle, simplement pour prendre un peu de repos. Les photographes sont pressés de faire leur travail. Ils ont fait se lever Dur, Hertig et le président du Lausanne Sport. C'est peut-être un petit peu gênant de voir ça car le match n'est pas terminé. On le veuille ou non, il reste 15 minutes. Évidemment, Zurich est littéralement mort.
Et on a le sentiment qu'on est plus proche du 5 à 2 que du 4 à 3 ou 4 à 4. Ah, mais vraiment, le match aura été de très très bonne qualité. Et vraiment, Lausanne Sport aura su couronner son printemps 81 de façon remarquable. Tâchez. Surtout que les Lausannois n'ont pas l'air de vouloir en rester là et qu'ils affichent une fraîcheur absolument, non pas étonnante, mais vraiment assez peu ordinaire après quasiment deux heures de jeu maintenant. Il faut dire que Zurich ne joue plus tellement, ne peut plus jouer. Jakovic. Elzener. Lully s'est porté sur la droite. Chapuisat a voulu gagner ce duel face à Lully. Il n'a pas très bien supporté un débordement victorieux de Lully à ses dépens. Et depuis, il a eu sur Lully deux interventions victorieuses très nettes. Elzener. Attention, la tête de Petrovic. Jerkovic. Petrovic. 4 à 3. 4 à 3, ce n'est donc pas fini. On va revoir. Alors, 17e minute, deuxième de la prolongation, centre d'Elzener. C'est Peter Hans qui va frapper de la tête. De l'honneur au revoir. Jerkovic surgit. La balle est deux. Jerkovic. On va revoir tout à l'heure s'il y a. Enfin, l'arbitre a donné le but, ce qui avait matière en jeu, 4 à 3, c'est Peter Hans. Si on a le temps, on reverra tout à l'heure. On revoit. Non, ça n'est pas certain du tout. L'action. Enfin, l'arbitre, Monsieur Baumann, a donné ce but, c'est le troisième, c'est Peter Hans, c'est 4 à 3. Et il reste 11 minutes à jouer. On avait raison de dire qu'il était un peu prématuré, voire gênant, d'être déjà fixé sur la pellicule, celle des photographes, les visages de Dur et de Charlie Hertig, de Richard Dur et de Charlie Hertig. Bon. Attention à Koch. Koch, talonne. Dommage qu'elle n'arrive pas. Bon, reste sur la trajectoire. Elle aurait très bien pu arriver, cette balle, pour Tachet. C'est assez mitigé, là. Il y avait dans le cri de Richard Dur à ses joueurs quand même une certaine dose d'inquiétude. Paglietti. Zappa qui a reculé, qui joue à la hauteur de Lully. Il n'est pas offside, Koch, mais Grobe est sorti. Zappa. Wazinski. Schönenberg. Schönenberg. Il se rend pas d'offside, Moron. Et alors Koch. Koch. C'est pas assez appliqué, dirait-on à l'école, Koch. Mais alors au début de l'action, lui paraissait offside. Non pas Moron. On revoit l'action Moron-Koch qui botte de 15 mètres. Une bonne occasion, complètement ratée. Mais il devrait revenir, quand il ne peut plus peut-être. Il est encore dans le camp, il est entre Grobe et la ligne médiane. Il devrait revenir dans son camp parce que il est en
position coupable. Alors, il reste à peine. Il reste 9 minutes tout de même. Birkovic. Lully. C'est Tachet qui s'est interposé. Koch. Moron. Dizeron. Vassol Dizeron. Donne très très long offside. Offside de Tachet. Zener, Kundert sur la droite. Kundert. Kundert. Jankovic. El Zener. Attention à Peter Hans de la tête. Facile pour Burgener, mais si vous voyez Burgener, on le voit d'ailleurs par l'image, mais lorsque l'action se déroule à 20 mètres de sa cage, dans quel état de concentration, de tension extrême il se trouve. 4. À 3, il a sauvé une balle sur un tir de Zappa tout à l'heure. Il a dû s'avouer battu il y a quelques instants. Et il a pris conscience que le match n'était pas fini parce que ces diables de Zurichois qui paraissaient littéralement tués par les deux buts de Christensen sont revenus et ils sont, je le rappelle, ils ne sont que 10 sur la pelouse puisque Islin a été expulsé pour avoir boxé Razinski. Zwicker. Offside cette fois-ci, oui. Tout de même, il faut dire que Moron est toujours à la limite du hors-jeu sur cette passe de Tachet. Encore 7. Zwicker. Parietti. Corner pour Elzener. Il s'agit d'être attentif. Alors, il y a Ludi, il y a Zappa, il y a Schönenberg. Ça en fait 3 gants entre 1m80 et 1m90, même davantage pour Zappa. Au premier poteau, Kunder. Dans le prolongement, Zwicker. Schönenberg qui a touché la balle de la tête. Elle n'est pas passée très, très, très loin par-dessus la transversale de Burgener. Ah oui, quoi qu'il arrive maintenant, que Lausanne maintienne son score ou l'aggrave en sa faveur, que Zurich égalise, eh bien, cette finale est la plus belle que nous ayons vue depuis fort, fort longtemps. Lully. Kundert. Elzener Zappa, Schönenberg, qui a été plusieurs fois dangereux dans ses montées. Et Dizeron doit sortir la balle, doit mettre la balle en corner alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Schönenberg au sol, peut-être pour des crampes. C'est permis, d'autant plus qu'il faut se souvenir que lors de la première finale de la Coupe d'Angleterre, jouée également l'après-midi, il y avait pas mal de professionnels anglais qui ont terminé le match avec des crampes, soit dans les rangs de Tottenham Hotspur, soit dans ceux de Manchester City. Burgener, très long, là il n'a plus que prolonger sur Zwicker. Et Lausanne se bat, défend son 4-3. Avec énergie, Chapuisa et avec talent là, Chapuisa. Faute de main de Zappa, laisse aller. Moron n'est pas offside. Moron est beau, Moron. Un petit crochet. Alors Dizeron, non. Mais je crois que Grove ne sera plus battu dans ce match. Il sera plus battu là. S'ils ne peuvent pas marquer dans cette circonstance, ils ne marqueront plus. Il reste 5 minutes. 4 pour Lausanne, 3 pour Zurich, on revoit. Alors, il a crocheté bien, il a servi Dizeron. Dizeron n'a pas pu battre Grove.
qui aura réalisé quelques sauvetages dans ce Lausanne-Zurich. Schönenberg. Et nouveau corner concédé par la défense des Vaudois. C'est bien s'ils boivent, si Lausanne gagne et que les joueurs boivent très vite après le champagne de la victoire, ils auront Burgener qui prolonge en corner de l'autre côté. Ils auront de la difficulté à ne pas sombrer dans toutes les ivresses parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Et il reste exactement 5 minutes maintenant. Zicker. En tout cas, coup de chapeau à Zurich pour faire ce qu'il fait alors qu'il joue à 10 et qu'il a été littéralement abattu par deux buts de Crescenzi dans la première prolongation. Jerkovic. Attention à Ludi. Ouh, c'est bien joué Jerkovic. Zappa. C'est Parietti qui a renvoyé. Tisserand. Ludi, avertissement à Ludi. Encore 4 minutes et quelques secondes. En tout cas, s'il gagne la coupe, là, les deux anciens, alors qu'on voit Ludi dans l'image, pense surtout à Burgener et à Chapuisat, si l'on insiste sur eux, c'est qu'il y a longtemps qu'ils sont au Lausanne Sport, avec lequel ils n'ont pas gagné grand-chose, pour ainsi dire rien gagné. Eh bien, s'ils la gagnent, ils ne l'auront pas volé, cette coupe. Kundert. Kundert face à Rief. Kundert. L'arbitre va finir par donner un coup franc contre Lausanne, bien sûr, faute de Rief. 3 minutes et demie. Burgener. C'était Crescenzi qui était parti très très vite. Roblu aussi. Main de Crescenzi qui perd la tête, qui marque un troisième but personnel après avoir fait une faute de main. Bon. Schönenberg. Non, c'est trop tard. Mais il aura été en plusieurs circonstances dangereux, Schönenberg. Alors cette fois, de nouveau, attroupement devant le banc des Zurichois et particulièrement celui des Vaudois, alors qu'il reste, je ne vois pas d'ici si c'est une ou deux minutes à jouer. Sur le stade de Vandorf, Moreau à nouveau va pouvoir partir seul ou servir Koch. Moreau démarque, Moreau encore, il a voulu remettre derrière lui et l'arbitre estime qu'il n'a même pas obtenu le corner. 13-29, ça fait donc 90 secondes à jouer. De nouveau Lausanne à l'attaque, Moreau et Koch sont bien placés. Mais la passe arrive derrière les défenseurs zurichois, mais là, Moron et Koch ont manqué et on peut les comprendre de promptitude. Il y a pourtant, grâce de par l'intervention d'un défenseur, un corner pour Lausanne, ce qui revient à dire qu'à 60 secondes de la fin, Koch l'a botté dehors par fatigue. Il y a les optimistes chez les Vaudois. C'est Prior, le soigneur. Lui, il a déjà les bras levés en signe d'allégresse. Il avait raison, Prior. Lausanne
Lausanne Sport, en très grand Lausanne Sport, a gagné la Coupe de Suisse 1981 face à un adversaire qu'il faut saluer immédiatement avant de tresser les compliments du Lausanne Sport, face à un FC Zurich qui a fait match nul dans le temps réglementaire, qui a été abattu par 2 buts de Crescenzi dans la première prolongation et par l'expulsion justifiée de Islin, mais qui a su donner une dimension dramatique extraordinaire au final de cette finale de la Coupe en revenant au score 4-3 par Peter Hans au début de la deuxième prolongation. Chapuisas a réussi à s'échapper, à échapper à la foule et à venir dans l'enceinte qui le protège. La joie de Chapuisas est vraiment totale. Absolument totale. Celle de Würgener doit être également très très profonde. Celle de tout le Lausanne Sport. Celle d'Ertig, celle de Dur. Et cette joie est pleinement justifiée. Il faut vraiment dire chapeau et merci aux deux équipes et particulièrement à ce remarquable Lausanne Sport qui a utilisé toutes les facettes des qualités qu'on peut exprimer sur un terrain de football dans cette finale. Le talent, le brio, l'énergie, la combativité, le calme. Enfin vraiment, Lausanne a été très bon aujourd'hui face à Zurich, qui est pourtant considéré généralement comme la meilleure équipe du pays. Alors Eric a rejoint, Burgener est arrivé. De Castella qui a joué le début du match, qui est sorti. On retrouve Burgener, Ritz qui n'est pas entré, mais il faut associer ceux qui sont restés sur le banc, c'est-à-dire Favre et Marquez, et puis Charbon. Et puis Ritz, qui ne sont pas entrés, et Guillaume également, alors que sont entrés, qui ont fait le banc au début du match, Crescenzi qui a marqué 2 buts, et Dizran, dont le rôle a également été déterminant, c'est lui qui a donné la balle à Moron pour le but de l'égalisation. C'est dommage, c'est fort regrettable, mais il y aura toujours des éléments qui réussiront à gâcher un match, une fête qui a été totale, parce que tout le monde s'accordera pour dire que Zurich est une grande équipe et qu'elle a dignement